Alors là, on a défini une, une variable aléatoire une quantitative. C'est le nombre de faces obtenues en trois lancers d'une pièce non truquée. Donc là, l'expérience aléatoire on, dont on parle, c'est le lancer de, de ces trois lancers successifs d'une pièce non truquée, et la variable aléatoire, c'est celle-là. On va regarder à chaque fois le nombre de fois qu'on a obtenu face en trois lancers. Alors, ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo, c'est définir la, la loi de probabilité de cette, de cette variable aléatoire. C'est-à-dire que on va Essayer de calculer la probabilité de chaque valeur possible de la variable. Et puis après, on va la représenter, cette loi de probabilité, euh, par un, un diagramme en bâton pour se faire une, une image un petit peu de la manière dont sont distribuées les probabilités euh, parmi les résultats possibles de l'expérience. Voilà. Alors, on va commencer par essayer de repérer toutes les valeurs que peut prendre la variable x. Donc en fait, on va essayer de repérer les nombres possibles de fois qu'on a obtenu face en lançant trois fois la pièce de monnaie. Ça va être ça, les, les, les valeurs possibles de x de la variable x. donc pour ça, on va déjà décrire tous les résultats possibles de l'expérience. Donc je peux avoir par exemple face au premier lancé, face au deuxième et face au troisième. ça c'est une possibilité. Je peux avoir aussi face au premier, face au deuxième et pile au troisième. Je peux avoir face au premier, face pile au deuxième et pile au troisième. Je peux avoir aussi face au premier pile au deuxième et, au face, au premier, au deuxième et face au troisième. Ça, on fait déjà 4. Bon, je sais qu'il doit y en avoir 8, puisque à chaque lancé, j'ai 2 possibilités. Donc en tout, je dois avoir 2 fois 2 fois 2, 2 puissance 3, c'est-à-dire 8. Ça, on l'a déjà vu. Donc je vais continuer. Après, je peux avoir, par exemple, pile au premier euh, face au deuxième et face au troisième. Je peux avoir pile au premier face au deuxième et pile au troisième. Je peux avoir pile au premier, pile au deuxième. Et face au troisième, et puis je peux avoir finalement pile au premier, pile au deuxième et pile au troisième. Voilà, ça sera trois fois pile. Alors, maintenant, bon, ça, ce sont tous les résultats possibles quand on regarde le résultat hein, de, effectivement des trois lancers. Maintenant, on va essayer de traduire ça en valeur que peut prendre la variable x. Alors, déjà, je peux avoir, il existe hein, des résultats où, y a, où on n'obtient aucune fois face. Donc, dans ce cas-là, la variable x va prendre la valeur 0. Hein. Donc on va pouvoir calculer la probabilité que x soit égal à 0. Ça, ça veut dire, l'événement x est égal à 0, ça veut dire qu'on euh, a obtenu 0 fois face en 3 lancées d'une pièce non truquée. Donc on va pouvoir calculer la probabilité hein, de cet événement-là. Donc c'est la pièce est non truquée, donc on est dans une situation d'équiprobabilité. Et puis le nombre de résultats possibles, on a vu que c'était 8. Donc il y a déjà 8 possibilités. Et parmi ces 8, il faut qu'on trouve celles qui, qui correspondent à euh, cet événement x égale 0, c'est-à-dire il faut qu'on trouve le, les résultats où il n'y a aucune fois face. Bah, finalement, il n'y a que celui-là. Hein. Ne jamais obtenir face en 3 lancés, ça veut dire obtenir 3 fois pile. Donc il n'y a que cette possibilité-là. Donc la probabilité euh, que x soit égal à 0, c'est 1 sur 8. Voilà. Ensuite, si on regarde les résultats de l'expérience qu'on qu a noté ici, on, peut, on voit qu'on peut aussi avoir une fois face, hein, ça peut arriver. Donc dans ce cas-là, la variable x elle va prendre la valeur x égale 1. Ça, ça veut dire j'ai obtenu une fois face en trois lancers de la pièce non truquée. Donc on va essayer de calculer maintenant cette probabilité-là. La probabilité que la variable x soit égale à 1. Et alors, pour ça, ben, on a toujours nos huit possibilités et il faut qu'on trouve celle qui correspondent à, à l'événement x égale 1, c'est-à-dire il faut qu'on trouve les, toutes les possibilités où on a eu une seule fois face. Donc il y a celle-là par exemple, face pile pile, il y a aussi celle-là, pile pile face, et puis il y a celle-là aussi. Donc finalement là, là je crois qu'on a tout vu. Donc finalement on a 3 possibilités sur 8, donc 3 chances sur 8 d'obtenir une fois face en 3 lancers. Alors ensuite, on continue. La variable x, elle peut aussi prendre la valeur 2, hein, puisque ça, ça veut dire qu'on a obtenu deux fois face en trois lancés, c'est tout à fait possible. Donc on va calculer maintenant la probabilité de cet événement-là, de l'événement x égale 2. Alors ici, on a toujours nos 8 possibilités, et puis parmi ces 8, il faut qu'on trouve celle où on a deux fois face, donc il y a celle-là, face pile face, il y a celle-là aussi, et puis il y a celle-là. Voilà. Donc là aussi, on a 3 chances sur 8 d'avoir obtenu 2 fois face. Alors, maintenant, il nous reste une possibilité, c'est que la pièce soit tombée 3 fois du côté face. Donc ça, ça va être l'événement x égale 3, puisque là, on a obtenu 3 fois, 3 fois face en 3 lancés, donc la variable x vaut 3. Alors, on va calculer maintenant la probabilité de cet événement-là. Donc on a toujours nos 8 résultats possibles, et puis parmi ces 8, il ben, n'y a plus que cette possibilité-là, hein, c'est 3 fois face, il n'y a qu'une manière de le réaliser, donc c'est une chance sur 8. Voilà. Alors là, on peut remarquer que si on fait la somme, hein, on obtient un événement certain, puisque la variable, c'est soit, elle vaut soit 0, soit 1, soit 2, soit 3. Il n'y a pas d'autres valeurs possible. Donc quand on additionne toutes ces probabilités, eh bien, on trouve 1, ce qui est tout à fait normal. Voilà, alors là j'ai calculé toutes les probabilités de toutes les valeurs possibles de la variable x, mais maintenant je vais tracer un histogramme, enfin je vais plutôt un diagramme en bâton pour représenter cette loi de probabilité. Alors, je vais le faire, donc je vais tracer l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses, voilà. Alors en ordonnée, je vais mettre la probabilité, la probabilité de chaque événement. Hein. Donc la probabilité, ça sera compris entre 0 et 1, puisqu'une probabilité c'est toujours compris entre 0 et 1. Hein. Probabilité de 1, ça veut dire que l'événement est certain, et une probabilité de 0, ça veut dire que l'événement est impossible. Hein. Donc on va mettre 1 ici, et puis on va diviser cet axe, on va graduer cet axe. Alors comme là tout est en 8, exprimé en huitièmes, on va essayer de faire une graduation qui fait intervenir des huitièmes. Donc là, je vais prendre ça, ça va être 0,5, un demi. Ça, ça va être 1 quart. Là quarts et puis maintenant si je divise chaque segment par deux j'obtiens des huitièmes donc ça c'est un huitième deux huitièmes trois huitièmes quatre huitièmes cinq huitièmes six huitièmes sept huitièmes le dernier est pas très joliment tracé voilà, voilà. ça c'est à peu près correctement divisé et puis ici en abscisse je vais mettre les variables les valeurs de la variable x alors c'est pas exactement comme si on mettait les résultats possibles de l'expérience. Les résultats de l'expérience, c'est ce, ce qu'on a noté ici. Par contre, les valeurs de la variable, c'est 0, 1, 2 ou 3. Donc ici, on va mettre les valeurs de x. Voilà. Et ensuite, je vais, pour chaque valeur de x, je vais noter sa probabilité. Alors je vais respecter les couleurs. On va d'abord commencer par mettre le 0 ici. Donc ici, j'ai la valeur 0. Ensuite, je vais mettre la valeur 1 ici. Ça, c'est la valeur 1. Ensuite, j'ai la valeur 2, que je vais mettre ici. Et puis ensuite, j'ai la valeur 3. Alors maintenant, je vais faire le diagramme en bâton, c'est-à-dire que je vais à chaque valeur associer un bâton dont la hauteur représentera la probabilité. Alors, pour 0, la probabilité, c'est 1 huitième. Pardon, donc 1 huitième, c'est ici. Donc là, j'ai un bâton... Comme ça. Hein. Ensuite, pour x égale 1, eh bien, la probabilité c'est 3 huitièmes. Donc il faut que je trace un bâton. Alors 3 huitièmes, c'est là. Donc voilà, je vais faire comme ça. Je fais des bâtons un peu épais pour qu'on voit que ce sont des bâtons. Voilà. Ensuite, j'ai la valeur x égale 2. Et pour x égale 2, eh j'ai la même probabilité que pour x égale 1. Hein. C'est toujours... 3 huitièmes, donc voilà. Ensuite, je peux faire la même chose avec le, la valeur x égale 3. x égale 3, on trouve 1 huitième, donc on a la même hauteur que pour x égale 0. Voilà. Donc là, ce qu'on a fait, c'est représenter la loi de probabilité de la variable discrète x. Donc c'est une loi de probabilité discrète parce que la variable prend les valeurs 0, 1, 2 ou 3. Elle ne peut prendre aucune valeur autre que celle-ci. Elle ne peut pas prendre une valeur entre 0 et 1 ou entre 1 et 2 ou entre 2 et 3. Voilà, elle ne peut prendre que ces valeurs-là. Donc ça, c'est la loi de probabilité de la... Variable aléatoire discrète x grand x. Voilà.